Ce que Jésus te demande, ce n'est pas d'être un grand prédicateur, mais juste de donner ton message. Juste dire à quelqu'un, le temps par lequel tu passes, sache que Jésus t'aime. Amen. Juste lui dire qu'il y a une vie après ce monde. Est-ce qu'on est ensemble? Juste lui dire, c'est cela. Qu'il y a une vie après ce monde. Tu n'as pas besoin de lire toute, de connaître toute la Bible pour présenter Jésus à quelqu'un. Mais tout simplement un verset, ça c'est suffisant. Nous sommes des moissonneurs. Ce ne sont pas les anges qui viennent nous moissonner. Ce ne sont pas les anges. C'est nous qui allons pour moissonner. Je voudrais te dire que si tu travailles pour le Seigneur, il y a le verset 36 qui dit « Celui qui moissonne reçoit un salaire. » Celui qui moissonne reçoit un salaire. Mais ce salaire, ce n'est pas ici-bas. C'est l'autre côté. C'est quand on partira de ce monde que le salaire nous sera donné. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Donc pour dire, celui qui ne moissonne pas n'aura pas de salaire. Celui qui moissonne amasse des fruits pour la vie éternelle. Quels sont les fruits que tu amasses pour ta vie d'après la terre? La première vie, c'est la terre. La deuxième vie et la dernière vie, c'est dans l'éternité. Il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Le soutien est amarre des fruits pour la vie éternelle. Malheureusement, encore une fois aujourd'hui, beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu moissonnent pour la vie terrestre. La vie terrestre. Alors, un jour, je me retrouve avec la... les chrétiens, vraiment, c'est aide-nous. On est... C'est-à-dire qu'on est... les gens sont, les chrétiens frappent pas, ils sont, c'est-à-dire que ceux qui attirent les yeux là, on appelle ça la convoitise. Alors, je vais dans une réunion, les hommes de Dieu, je vais avec la voiture de 4 membres. Donc, je vais à cette réunion. Et puis, à la sortie, là, je dis, ah, tu es arrivé, pasteur. Ah, mais c'est pas le secret. Oh, Jésus, voilà encore mon Dieu. Comment on peut être frappé en tant qu'enfant? Tu oublies les années 80, c'était rien. C'est-à-dire que tu peux avoir un bolide, tu peux avoir une petite. C'était rien du tout. L'important, c'était moins de locomotion. C'était tout. Mais aujourd'hui, on est frappé. C'est-à-dire qu'on vous dit que tu es arrivé quand tu as. Donc, quand tu as petit, peut-être tu n'es pas arrivé. Non. Dis, Seigneur Jésus, que tout le monde soit qui est grand, que tout le monde soit qui est petit, que mon cœur, Seigneur, ne s'attache pas à ces choses. Amen. 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 Ah, Jésus. Voyez-vous ces choses-là du mal et tout ça. En fait, on essaie de garder ce qu'il nous a donné pendant les temps du réveil. On essaie de garder. On essaie de garder. Église, tout ce qui est de ce monde, c'est temporaire. C'est pourquoi accrochons-nous à ce qui est éternel. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Église, rentrez dans la moisson. Moissonnez. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour chasser les démons. C'est aussi pour moissonner. C'est pourquoi il dira dans les Actes des Apôtres, attendez, ne bougez pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse descende. Amen. Amen.
Bien nous dit, si nous nous mettons au travail, chacun pour sa part, les jeunes doivent conquérir les jeunes. Les adultes doivent conquérir les adultes. Les hommes âgés conquièrent les hommes âgés. Comment je comprends? Donc, les hommes âgés conquièrent les hommes âgés. Chacun, chaque génération doit atteindre sa génération. C'est ça le point de vue. Dans le milieu professionnel, dans votre milieu professionnel, vous devez aussi atteindre ceux de vos milieux. Si tu dois jeûner, tu jeûnes. Seigneur, cet âme, je l'amène à toi. 2024 ne passera pas. Cet âme, je l'amènerai à toi. Et tu jeûnes pour ça. Tu pries pour ça. Tu fais tout. Tu l'amènes au restaurant parce que tu sais que l'âme qu'il mange là, c'est pour avoir Jésus plus tard. Amen. 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 Il y a du prix pour sortir une âme du monde des ténèbres. C'est pourquoi nous aurons aussi des séances de formation dans ce domaine-là. On va vous enseigner. Moins en moins de chrétiens, en fait, ne savent plus comment amener une âme au Seigneur. C'est bien d'inviter une âme à l'église, c'est une bonne chose. Mais si tu sais déjà comment faire accepter cette âme, faire accepter Jésus, cette âme depuis la maison, c'est une grande chose. C'est une victoire. Bien-aimé, allons-y dans Matthieu 25, verset 16 à 30. Matthieu 25, verset 16 au verset 30. Je vais lire la parole de Dieu. Puisque l'homme d'être Christ aussi est là. Seigneur, je vais aller. Comme ça, je gère un peu ma gorge. Je lis la parole de Dieu. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. 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 Je
Je voudrais ici vous dire que cette histoire que vous venez d'écouter, tous nous sommes concernés. Moi en premier, pasteur Muriel et tout le monde. Dans l'éternité, nous ferons face à ce passage que nous venons de vous lire. Que tu le veuilles ou pas, tu feras face. Pourquoi? Parce que dès l'instant où nous avons reçu Jésus, chacun a au minimum un talent. Au minimum. Maintenant, il y en a d'autres qui peuvent avoir 2, 3, 5 euros. Mais nous avons un minimum de un talent. Le talent, c'est la capacité que Dieu t'a donnée à pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. C'est la capacité que Dieu t'a donnée, en fait, de parler. C'est la capacité. Il y a des personnes qui sont muettes parce qu'elles ont une carte, elles sont mal, elles aimeraient bien parler, mais n'arrivent pas à s'exprimer. Mais toi, Dieu t'a donné la capacité, il a permis que tu aies la capacité de parler. Mais que fais-tu de cette capacité? Que fais-tu de cette capacité? Ici, c'est l'histoire donc de toi, chrétien. L'un a reçu un talent, il a reçu un don, il a reçu une capacité, soit la capacité de bien diriger, de bien gérer, la capacité de parler facilement, bref, qu'importe. Ce qui est vrai, tous avaient reçu des talents. Comme tous autant que nous sommes, nous avons des talents. On n'a pas besoin d'être évangéliste pour dire à quelqu'un, tu sais, je passais des moments difficiles, j'ai ouvert mon cœur à Jésus, et Jésus, en fait, est venu vers moi et m'a délivré. On n'a pas besoin d'être évangéliste. On a besoin d'être reconnaissant sur ce que Jésus a fait dans la vie de quelqu'un. Juste la reconnaissance, pour le témoigner à l'autre. On n'a pas besoin d'être évangéliste pour dire à quelqu'un, écoute, tu sais, moi, ma vie, je vais dans le péché. Je vais dans le péché. Et pour cela, Jésus m'a délivré. Et il peut aussi faire la même chose dans ta vie. Je suis en dans peu de temps, vous allez, je vais, mon livre va sortir. Dans peu de temps. Où Jésus m'a dit, l'histoire de ta vie, mets cette histoire dans un livre. Afin que les générations qui vont suivre, sache que Jésus peut transformer la vie. Je l'ai tellement raconté, même en nous poussant, mais attends, mais toi, depuis que tu devais écrire, lui, tu n'en fais pas ça. Mais là, dans peu de temps, je prie l'histoire parce que mon existence aujourd'hui, ma vie aujourd'hui est un miracle. Je vous laisse rendre. Si je n'aurais pas Jésus, mes parents parleraient de mon passé. Je ne pense même pas que j'aurais dépassé 30 ans. Je ne pense même pas. Quand Jésus accomplit une œuvre comme ça, je ne peux pas la cacher pour moi. Si je vois quelqu'un qui est englué dans les mêmes mots par lesquels je parle, je dis, oh, Jésus peut te délivrer. En fait, on n'a pas besoin d'être un évangéliste. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup dans le christianisme qui deviennent des ingrats. Ils cachent ce que Jésus a fait dans leur vie. Il cache. C'était même, il y a même un soi-disant, ça c'est un faux évangile. Oh non, je ne peux pas témoigner parce que si tu témoignes, le diable va m'attaquer encore. Ah bon? La femme samaritaine, dès l'instant où Jésus a révélé l'histoire de sa vie, au même moment, elle est repartie en Samarie. Il y a quelqu'un là-bas qui a raconté toute ma vie. Et à cause de cette femme, un réveil s'est produit dans son village. Mais vous vous imaginez si elle aurait caché cette histoire-là? Jamais dans le village. Quel est le Jésus que vous avez reçu? Ou lorsqu'il fait quelque chose dans ta vie, tu dois attendre pour venir dire ce que Jésus a fait. On est dans quel monde? Donc,
Nous croyons quand même, nous sommes connectés à un Dieu véritable, au véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est vrai, l'ennemi peut attaquer. Mais attention, le témoignage est une arme. Satan n'attaque pas le témoignage. La Bible déclare, ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Ils sont dans la tête de la parole de leur. Le témoignage est une épée. Quand tu te tiens là et que tu témoignes, c'est une épée que tu enfonces dans le camp des ténèbres. Mais quand tu caches ce que Dieu a fait pour toi, en fait, tu favorises l'action de l'ennemi pour toi. Comment les gens seront sauvés si tu caches ce que Dieu a fait? Comment quelqu'un qui était dans la prostitution, mais que Jésus a défait, qui est devenu en fait, qui vit maintenant dans la terre, comment une prostituée qui vit aussi dans l'église sera alors qu'elle se bat pour abandonner le péché, pour abandonner la prostitution, comment comprendrait-elle que Jésus, même sans la prostitution, peut délivrer quelqu'un et mener une vie de sainteté et une vie réussie? Si tu caches ton témoignage. Amen. Ne soyons pas des ingrats. Ne soyons pas des ingrats. Il y a même des chrétiens qui disent, bon, ma vie passée, je vois des gens sales, parce que c'était trop sale, je ne veux pas, sinon mon identité, vraiment, on va me voir. Ah bon? Ah bon? Mais qui vous a dit que Jésus est venu sauver ce qui était bien portant? Je ne suis pas venu sauver les personnes sales. Il faut avoir été malade pour que Jésus te guérisse. Il faut avoir expérimenté la profondeur du péché pour que Jésus descende dans la force du péché et te sortir. C'est ça la puissance du témoignage. Ce n'est pas une honte. Parce qu'en vérité, la vie qu'on vit maintenant, ce n'est plus notre vie. C'est sa vie. Amen. Répondez au message de Jésus. Répondez. Bien-aimés, celui qui avait ces deux talents, parce qu'il a travaillé, il s'est battu. La Bible déclare, il en gagne deux autres. Il a mis en valeur les dons et les capacités que Dieu lui a donné. Il a mis en valeur. La Bible nous dit, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre. C'est-à-dire que sa vie, il a vécu de manière anonyme. Parce que quand tu prends un talent, tu vas mettre ça sur la terre. On ne sait même pas quelque chose sur la terre. Anonyme. C'est-à-dire que dans son milieu professionnel, à peine on sait s'il est chrétien. C'est-à-dire que le gars, il se fond dans la masse. Ou la soeur, elle se fond dans la masse. On ne sait pas. C'est-à-dire que le seul moment où il est chrétien, c'est quand peut-être quand la personne parle accidentellement, le voisin qui est païen tombe dans YouTube. Oh! Il va dans l'église. Oh! Mais je t'ai vu, donc tu es chrétien. Bon, c'est de temps en temps du même. Bon, de temps en temps du même. Oh, ces histoires-là, vous savez, bon. C'est pourquoi il se cache. La soeur se cache. Non. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi au milieu des hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon père. Vous comprenez cela? Il y a une pression dans le monde là, dans vos milieux là. Il y a une pression. Mais n'oubliez pas que celui qui est en vous est supérieur à la personne. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Vous avez reçu un pouvoir. Vous avez une autorité. Vous avez une force. Quel que soit le milieu, rien ne peut vous influencer. Ne l'oubliez jamais. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne l'oubliez jamais. Jamais. Donc,
La Bible nous dit qu'il y a toujours un temps où les comptes doivent être rendus. Donc ces trois-là, leur vie sur la terre s'achève. Après, ils doivent rendre des comptes. Bon, la Bible nous dit, son maître, quand on descend encore au verset 19, longtemps après, le maître de ce secteur revint à leur faire rendre des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents va produire les bénéfices de ses cinq talents. Celui qui avait reçu deux talents va présenter les bénéfices de ses deux talents. Donc, chacun a eu à faire quelque chose. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Vous êtes dans ce ministère. Dieu vous interpelle. Le Seigneur vous interpelle en vous disant, mettez-vous au travail. Chacun selon les capacités que Dieu vous a données. Servez dans la maison de Dieu. Servez dans la maison de Dieu. Servez. Évitez d'être passif. Évitez. Moi, je vous avertis. Je ne peux pas vous le cacher. Parce que même moi-même aussi, je veux avoir des récompenses. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne peux pas rater le ciel. Parce qu'aujourd'hui, avec les demandes qu'on écoute, il y a des pasteurs qu'on retrouve en enfer. Moi, je refuse d'aller dans cet endroit. Si déjà sur la terre, j'ai du mal à supporter la chaleur quand il n'y a pas le split, ou quand il n'y a pas le ventilateur, sur la terre, tu as du mal. Les petits 30, combien c'est 30? Quand c'est 13 élevé au Gabon, c'est combien? 30, combien? 31. Donc, les 33 degrés de la terre, là, on a du mal. On a du mal. C'est là-bas. Où c'est multiplié par. Ça dit que rien que ça. Je vais vous donner là-bas. Si je dois même être, comme disait un homme de Dieu, si je dois être gardien entre la frontière de l'enfer et du ciel, t'as du côté du ciel, quoi. Mais tu es la gardien à la frontière. Au moins, je suis au ciel. Au moins, tu es au ciel. Tu n'es pas là-bas. Donc, on essaye un peu de rire, mais je vous dis cette histoire là. Nous ferons face à cela. Qu'on le veuille ou non, on verra face à cela. Soit on sera du côté du ciel, et on sera au ciel. Je vous le dis là, tout le monde. Je pense que tous on va être là. Amen. Parce qu'aucun berger ne se dirait que c'est. Les personnes qui l'ont géré sur la terre sont toujours le monde. Tout se dit en Amen. 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 Remarquez que la colère, ou je dirais, ou la réaction de ce maître qui fait allusion, c'est Jésus lui-même en fait, il dit. Par rapport à celui qui n'avait pas fait travailler son talent, donc il a gardé ses capacités pour lui, il n'a jamais évangélisé, il n'a jamais contribué à l'œuvre de Dieu, jamais. Là, nous avons le projet, on a déjà lancé le projet de construction. Je ne sais pas combien sont engagés, combien ont commencé à donner leur contribution. Combien? Combien ont commencé à donner? Entre-temps, on a l'argent pour soi-même, on a l'argent pour ses projets, on a l'argent pour ses rêves, on n'a pas l'argent pour la maison du Seigneur. Donc, les projets que tu as là, tout ça là, tu es sûr que tout ce que tu fais là, si tu ne soutiens pas ce qui est éternel, ce qui est le projet de Dieu, qu'est-ce qui te rassure ou qui t'assure que tu, tout ce que tu es en train d'entreprendre là, ça ira à son terme. Église, sortez du fait de vivre pour vous-même. On ne vit pas pour soi-même. Jésus a dit que celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi ne sera pas digne du royaume. Celui qui aime
sa femme plus que lui, ou qui aime son mari plus que Jésus, n'est pas digne. Là, on est marié parce que moi, je ne l'aime pas plus que Jésus. Elle ne l'aime pas plus que Jésus. Quand Jésus dit de faire ce qu'elle doit faire, moi, je reste tranquille. Je ne dis pas que tu es ma femme, tu fais la mort. Neva. Elle est son Seigneur. Tu ne veux pas épouser pour être mon esclave. Donc, déjà que Jésus, quand je l'ai trouvé, elle n'était pas esclave. Elle c'était une affranchie du Seigneur. Tellement je l'avais esclave. Et puis d'ailleurs, elle n'a pas pu m'accepter d'être esclave. Vice versa. Amen. Amen. On vit d'abord pour qui? Pour Christ. Veillez là-dessus. Et ici, regardez ce qui va se passer. Malheureusement. Déjà, qui se justifie? Celui qui l'avait reçu quand elle s'approche, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Le gars, il m'a ratiné Jésus. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Ce n'est pas faux. Jésus moissonne là où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas. C'est-à-dire, le gars, il va chercher les versets bibliques qui l'ont dit à cela. Il pense qu'il va convaincre Jésus. Et la Bible a dit, puis j'ai eu peur. Tu vois, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici vraiment, plongez bien de la réponse, donc voici, reçois. David, son maître lui répond. Il répondit, serviteur, méchant et arrosé. Regarde comment Jésus répond à Jésus. Il dit, serviteur, méchant et arrosé. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on sert le Seigneur, lorsque tu as reçu quelque chose, et je vous dis, tous ici, nous avons reçu quelque chose. Lorsque tu n'appliques pas ce que Dieu t'a donné, le Seigneur dit, il te dit, serviteur méchant. Pourquoi méchant? Parce que toi-même, tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie, mais tu n'as pas permis que celui qui est à côté bénéficie de ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu ne l'as pas partagé. Tu ne l'as pas répondu. Tu as laissé en fait des gens dans la souffrance. Et dit, tu es vraiment méchant. Pourquoi tu as agi comme ça? Je t'ai béni financièrement. J'ai béni que tu aies même un travail qui te coûte, qui te paye 50 000. Tu as du riz chez toi. Tu as quand même de la sardine fumée chez toi. Et tu as quelqu'un pour te dire, tu sais, tu es passé par, tu comprends qu'il y a des enfants qui pleurent, qui ont faim. Les enfants de ton voisin. Et tu es passé comme ça. Tu n'as même pas daigné te dire, je veux le patron de nous, le peu que j'ai aussi. Tu es méchant. Tu es méchante. Tu te dis, oh, mais c'est seulement ce que j'ai. Je ne sais pas comment ça va se passer demain. Si je rentre aussi. Et tu dis, tu es méchant. Et puis, si j'étais riche, j'avais beaucoup de mal. Ah bon, comment ça s'appelle la richesse? La richesse? Oh, la richesse. Je pense que si la richesse rendait quelqu'un, on appelle ça comment? Généreux. Je pense que les personnes qui habitent dans des grandes maisons là, vous voyez la route qui conduit chez eux, chez elles. Parce qu'elles sont des grosses voitures. Ils ont l'argent. C'est-à-dire, la richesse leur dit, pour que je gagne ça, c'est pas pour venir arranger. Lui-même, il préfère rentrer comme ça. Ouais, c'est la richesse. Tu connais la puissance qu'il y a dans la richesse. Il faut d'abord être riche pour comprendre ce que c'est la richesse. Donc, la générosité commence quand tu as juste un peu. Yes. À partir du peu, là, quand tu sais être généreux, alors Dieu te dira, je peux te donner la richesse. Amen. La richesse ne va pas te contrôler. Est-ce que vous comprenez cela? Yes. Bien aimé. Et vous voyez, le gars se justifie, il se justifie, il se justifie. Je prie au Seigneur qu'il n'en soit pas ainsi. Amen. Église, mettez en valeur ce que Dieu vous a donné. Yes. Mettez en valeur. Ne cherchez pas à être comme quelqu'un ici. Mais mettez en valeur ce que Dieu vous a. Et maintenant, quelqu'un d'autre peut t'influencer. Amen. Amen. Les anciens peuvent vous influencer. On peut vous influencer dans le bon sens. Yes.
Mais mets en valeur ce que tu as. Ça va me coûter, hein. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Le salut que Dieu nous a donné, si on n'accomplit pas l'œuvre de Dieu, on ne va pas rentrer. Hein. C'est vrai. Ça, comprenez-le. Dieu t'a donné le salut, c'est pour que tu travailles. C'est vrai. Si tu joues à la paresse, oh, de toute façon, j'ai le salut, j'ai Jésus dans ma sauce. Tu ne vas pas rentrer. Attends, vous pensez que les gens comme vous, c'est-à-dire que quand Jésus, je vous ai dit, témoignage, il me dit, je suis sur le point, c'est-à-dire que je suis le point de condamner ton Dieu, mais c'est Dieu. Il me dit, si tu ne me sers pas, si tu ne fais pas ce que je demande, sache que je te présenterai à moi, et il sera trop tard. Vous comprenez cela? Mais il m'attendait à où? Il m'attendait au niveau de la mort. Pour dire, tu ne peux pas me servir maintenant? Tu veux aller faire les études selon que tes parents prévus? Ça ne veut pas. Mais, on se reverra. Je vais dire, tu laisses. J'avoue. Seigneur, ma vie, je t'adore. C'est toi qui me l'as dit. Amen. Travaillez. Travaillez. Votre éternité est rattachée au service que vous faites pour Dieu sur la terre. Vendredi dernier, premier vendredi du mois, il n'y avait que trois appelés et cinq tons. Comme ça qu'on dit, trois appelés et cinq tons. On dit comment? Moi, professeur, on dit comment? Deux appelés, trois tons, tu as. Hein? Toi. Premier culte de l'année. Non, premier mois, c'est moi. Il n'y avait que quelques personnes. Les autres sont dans leur maison. Dans leur. Donc, non, toi, Seigneur Jésus, je pourrais être là. Tu vas comprendre mon cas. Je t'attends, je t'observe. Ah, attention. Attention. Dieu t'a donné une capacité. C'est-à-dire que lorsque tu élèves, il sait que on se concerne les fatales. Lorsque toi tu élèves la voix, les portes des cieux s'ouvrent. Et d'autres, il sait que quand l'autre élève la voix, les prières entrent à partir de la capacité qui t'a donné d'ouvrir les portes des cieux. Il sait que c'est toi qui as la clé. L'autre, les autres doivent maintenir les bâtons ouverts. D'autres font. Parce que nous sommes une équipe. Hein. Là, je sais un peu de vous imaginer la chose. Mais toi, imagine pas que c'est à toi que Dieu a donné la capacité spirituelle de pouvoir d'ouvrir les portes. Je suis à dire à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Mais toi, quand tu as la clé pour ouvrir la porte, tu n'es pas au lieu du culte. Voici donc tout le monde est là. Et toi, tu n'es pas là. On fait comment? Imaginez-vous un instant que le diacre, nous avons son équipe, bon, ne vienne pas le dimanche matin ouvrir les portes. Le gars, il est chez lui en train de vous prier. Imaginez-vous un instant. Ce sont eux qui ont les clés de la responsabilité de quoi d'ouvrir les portes. Je prends un exemple comme ça. Nous, quand on arrive ce jour du culte, on fait comment? Le jour-là, on va appeler à. C'est-à-dire que tu vas me vider des unités. Amen. C'est une image que je donne. Lorsqu'on se réunit pour la prière, chacun d'entre nous a, en fait, a une fonction sur le plan spirituel. Ce n'est pas tout le monde. On ne peut pas imaginer. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'ouvrir par exemple les portes ou de créer une atmosphère qui favorise par exemple une certaine fonction. Donc c'est que comme une fois, beaucoup d'entre vous, vous ne vous connaissiez pas. Les gens ne savent pas qui ils sont dans le plan spirituel. Beaucoup d'entre vous vous négligez. Et le fait que vous ne vous connaissiez pas, c'est en fait que vous avez
Attention! Attention! Vous remarquerez dans la Bible, les séraphins ont le rôle, les archanges ont le rôle, c'est-à-dire que les chérubins, chacun a son rôle. Il y a des anges qui ont des ailes, il y a des anges qui n'ont même pas d'ailes. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous sommes l'église, sommes membres du corps, chacun d'entre nous, chacun a son rôle. Tu ne peux pas être absent dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas différents des premiers disciples. Elle déclare que chaque jour, ils étaient au temple. Et là, elle dit qu'à l'heure de la prière, ils savaient que l'heure de la prière arrive. Amen. Ils prenaient toutes les dispositions pour qu'à l'heure de la prière, ils soient là. Mais aujourd'hui, à l'heure de la prière, les gens ne prennent plus les dispositions. On ne prend plus les dispositions. Ceux qui sont de l'autre côté, même ceux qui font ça, à l'heure de la prière, alors là, il ferme son champ. Même s'il n'est pas fait, il est juste mal. Toi, quand tu es, il sait là. Quand il fait ça, il a l'œil ouvert. Mais au moins, il est dans là. Et toi, à l'heure de la prière, tu n'es pas dans la maison de Dieu. Église, n'entrons pas en 2024 avec les cartes de 2023. Il y a un travail qui a été fait, alors restez dans ce que Dieu a fait. Privilégiez le travail du Seigneur. Privilégiez le service de Dieu. Privilégiez cela. Et des plus grandes portes s'ouvriront. Amen. Je ne veux pas dire, mais il faut être méthodique. Soyez organisé. Jésus en premier. Le reste vient après. Jésus en premier. Est-ce qu'on entend ça? Maintenant aussi, il peut arriver qu'il y ait des empêchements. Il faut communiquer. Il faut appeler. Quand vous appelez, ça prouve que la personne a le faire. Amen. Et c'est une peine pour elle de n'avoir pas été dans la maison du Seigneur. Surtout quand on est ancien, on est diacre, on est ouvrier. Surtout, il y a des choses qu'on ne peut pas permettre, que Dieu ne peut pas comprendre pourquoi. Ce n'est pas un hasard que Dieu ait déployé, permis que des mains vous a été imposé, qu'il y ait un transfert sur vos vies. Ce n'est pas un hasard. C'est l'année où Dieu dit, il faut moissonner. Et voyez-vous ici, Jésus reprend la personne qui dit, écoute, toi qui es allé cacher ton talent, il te fallait donc remettre mon argent banquier. Et à mon retour, je retirerai ce qui est à moi avec un intérêt. Dieu, écoutez, ce ne sont pas les économistes dans l'UFMI ou autre qui ont créé les intérêts. Dieu fonctionne avec nous sur la base des intérêts. Plus tu travailles pour lui, il se rend compte que tu es producteur. Et plus tu es producteur, il se dit, celui-là, il est utile pour moi. Est-ce que vous comprenez? Dieu fonctionne avec les intérêts. La question que tu peux poser, quels sont les intérêts, quel est l'intérêt que Dieu a? Dieu en fait retire de ta vie. Quel est l'intérêt que Dieu, que le ministère Ephata retire de ton engagement? Quel est l'intérêt? Pose-toi la question. Je suis dans Ephata. Quel est l'intérêt? Ça fait un mois, ça fait deux mois, ça fait un an, ça fait. Quel est l'intérêt? Amen. Seigneur Jésus. Je retirerai ce qui est à moi avec un intérêt. Ça fait un an que tu es ici. Ça fait quelques mois, ça fait. Quel est l'intérêt que Jésus tire de toi par rapport aux âmes? Est-ce que tu peux te mettre là et dire, Seigneur Jésus, tu vois, X, Y, Z, en fait, c'est l'intérêt. Voici, en fait, les intérêts. Voici Marc, voici Jean, voici Matthieu. Ce sont
Ça, ce sont des intérêts, les bénéfices que tu tires de moi pour 2023. Là, maintenant, on va à 2024. Je te promets, Seigneur, que je vais doubler la mise.